Allez, viens te cogner. Je suis pas si bien protégé que ça finalement. Bon. Oh non! Non? Ah, il a pas voulu le faire! Oh non! Ah non, il l'a pas chopé. Bon, tant pis. Hein. Tant pis, là c'est la mort. Ah, j'étais serein parce que j'étais sûr de l'avoir chopé. Non, bah non. Oh! Ah bah le double. Et c'est qui l'autre qui m'attaque en fait? Oh la vache! Oh! Un double lavage. Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Sekiro. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait combattu un dragon. On s'était fait manger par une carpe géante. Alors excusez-moi tout de suite pour la voix, mais je suis toujours un peu malade. J'avais absolument envie de le finir, ce jeu. Et il y avait un endroit qu'on n'avait pas été visité. Donc là-haut, on était monté pour aller tuer le dragon. J'en avais bien chié. Et en fait, il y avait un endroit ici, là. Où on pouvait passer. Rappelez-vous ce grand lac. Où il y a deux mecs qu'il va falloir que je bute aussi. Et là-bas, là. Il y avait un point de sauvegarde qu'on n'avait pas réussi à atteindre. Et en fait, voilà, il fallait passer par ici. Hop, passer par là. Quoi? Je vais parer. Ah, pas celui-là. Aïe. Bon, je me suis fait avoir. Un archer qui sautille. On va passer par là. Voilà, et je voulais aller voir le vieux monsieur là-bas. Attendez, on descend. Ici, il y a des chiens loups. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Hi, Anna. Non, je me suis pas raté. Ah non. Voilà. Oh, j'ai cru que je m'étais foiré. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Je visite, hein, je visite. Ah ouais, bah non, j'avais déjà été là. Un autre chien loup. Ah, ça rapporte, hein, mine de rien, ce truc. Ici, on peut... Ici... Ah, là. Là, il y a quelqu'un qui attendait. Est-ce qu'on peut... On pourrait peut-être aller se le faire, ça va me faire monter d'un niveau. Excusez-moi. Merci. Ah, il attend. 1060 Zadon. Pas mal. Ah, et on est arrivé ici. Avec un idole de sculpteur. Et surtout ce vieux là. Et je sais pas du tout ce qu'il dit. Il est dégueulasse. Dégueulasse. Maître, nourrissez le. La cloche doit sonner. D'accord. Ah oui, et là il y a une cloche. Non, ça... Oh putain. Ah, mais c'est l'enfoiré qui nous a tués. La pâte. Très précieux. Bon, j'ai déjà lui donné ça. Il mange. Je vous avoue, j'ai regardé un peu la soluce hein, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Maître, il sera jovial. Heureux. Heureux. Il sera. Récompensé. Putain, la taille du truc. Ah, et du coup, j'ai une. Ah, j'ai une écaille de carpe. Bon, on va refaire. Bonjour, mon gros. J'espère que tu as faim.
Est-ce que si j'en donne deux, parce qu'on en a plusieurs. On en a plein, je crois. Est-ce que si j'en donne deux, j'ai deux écailles? Maître Non, j'ai que... Ah, trois écailles. J'ai pas regardé, on en a eu qu'un hein, au début. Ouais, hop, vas-y, bouffe. Mange ça. Vas-y, mange. C'est déjà pas mal. Je vais donner toutes les écailles, enfin les bouffes précieuses. Mais ne dois pas. Ah merde. Grossir avec modération. Il m'a rien donné là. Quel enfoiré. Attends, je lui fais faire du sport. Il revient, il repart, il revient, il repart. Vas-y, bouffe ça. Ouais. Mais deux avec. J'ai pas très bien compris. Je crois me souvenir qu'il y avait l'urne qui me disait de faire ça. C'est où déjà? Ah, c'est là, il y a une urne. Il y a un homme urne. Ah bah, il est cassé. Ah bah, il est mort. Ah merde. Il y avait un autre homme urne. Qui était là. On va retourner le voir, hein, parce que je sais pas du tout ce que j'ai fait. Ça va être beaucoup de voyages dans cet épisode. Et après, une fois que j'aurai fini l'histoire avec la carpe, je vais retourner au château d'Ashina, voir, dire au jeune maître, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait pour... Sans commentaire. S'il vous plaît, sans commentaire. Je me suis viandé comme une merde, effectivement, c'est vrai. Bah elle aussi elle est morte. Oh y'a un... Oh c'est devenu une carpe. Gros petit, donnez-moi plus d'écailles. Oh, ah oui, lui, il donne des lapus, machin. Ah merde. Ah, je pourrais lui en donner 12, là. 12 ? Ma gueule. Oh. Donnez-moi encore. Mais il fait à moitié flipper, hein. Si je donne deux écailles encore, je sais pas. Faudra que je retrouve. Il fait un peu flipper quand même. Je dis ça, je dis rien. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, parce que maintenant, il s'est transformé en cap, donc c'est ce qu'il voulait. Du coup, je peux lui changer des écailles. Mais j'ai lu. Alors déjà, je vais me reposer. Non, ça l'a déjà fait. Il fallait au pouvoir... Allez, là... Non... Ah, ici, là. Il fallait aller, là. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Les temps de chargement sont assez courts, en plus, c'est cool. Et regardez. Regardez qui est là. Ah bah elle a trop mangé la carpe. Ah bah elle a trop mangé de Sekiro la carpe. Oh là 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 là. Un barbillon blanc inestimable pris à la grande carpe colorée. La grande carpe est immortelle, mais on peut lui arracher le barbillon après l'avoir tué. Le son du barbillon que l'on retire doit être agréable aux oreilles de certains.
Pour certains, c'est le son d'une mission accomplie. Pour d'autres, celui d'un souhait qui se réalise. Il a de belles dents. Ça, c'est fait. Est-ce que j'aurais pas donné ça au... à l'homme carpe? Je sais pas, hein, là je suis arrivé jusque là en fait, jusqu'au tuto, je me suis dit ça sera suffisant. On va retourner voir la carpe, la mini carpe maintenant. Peut-être qu'il lui manque ça pour devenir grande. Parce que j'imagine que je peux pas le tuer. Non. Du coup, je vais retourner là où il y avait la grosse carpe, maintenant qu'elle est morte. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose au fond. Au fond de sa tanière. Ça m'intrigue. Peut-être que c'est juste un chapelet. Ouais, juste un chapelet. C'est beaucoup de voyages, hein, là, je vous avoue. Et là. Merde, il va peut-être m'attaquer, vu que j'ai tué la carpe. Le grand bleu, là, qui parlait bizarrement. Ah bah, il va pas être content. Maître. 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 Où es-tu? Ah, il est pas content. On lui donne ou pas? Allez. Maître est mort. Eh ouais. Enfin. Enfin. Me voilà affranchi de mon devoir. Je suis. Waouh. Donc il était obligé de faire ça. Il me donne une herbe divine. C'est tout. Quel enfoiré, ce genre de truc que j'utilise jamais. Je devrais peut-être les utiliser. Hein. Alors, où est la tanière déjà? Ah non, c'est là-bas. Voilà, et là, en fait, voilà, au fond, il y avait quelque chose. Et on pouvait pas y aller avant. Petite bourse. J'ai tué une carpe millénaire pour une petite bourse. Et un morceau de minerai. Oui, oui, bah c'est tout moi ça. Bordel, tout ça pour ça? Eh ben ouais, tout ça pour ça. Une petite bourse. Qui c'est qui m'a vu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de vous faire voir un combat aussi. Avant. Oh! Yes! Une écaille en plus. Oh bah. Non, reviens! Salope! Hop là, il y a du repopé. Non. Si, ça a repopé. Putain, je suis dégoûté.
Je vais l'avoir, hein. Je l'aurai. Non, c'est pas ça le combat que je voulais faire voir. Donc il est à peu près là. Yes, là je l'ai vu. Et ça donne des points d'XP. J'ai oublié d'aller voir là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, 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 non. Il est content. Oh, il y en a encore un là. Ouais. Non! Non, t'enfuis pas comme ça, bordel! C'est vraiment chaud à les avoir. Hop là! Ben, reviens! Je l'ai eu. Il est là. Eh merde. Ah oui, la caméra s'est mise sur eux du coup. Je vois si j'y suis. Il n'y a rien. Ah oui. Voilà. C'est ce combat là que je veux vous faire voir. Vous voyez les deux là? Eh ben ils sont quand même balèzes. Faut vite se barrer. Toi, tu crèves. Oh! Il est de retour là. Merde, bon, il m'a vu. Il va falloir que je trouve un moyen de les avoir. Alors. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Pardon hein, mais... Il y a rien à récupérer ici en plus. Bah non. Donc je vais essayer d'aller me battre contre un des mecs sous l'eau. Ça va pas être si simple. Mais bon. Alors, contre les mecs sous l'eau, il me faut ça. Et un moyen de les toucher, ça. Donc ils sont juste là en dessous normalement. Du coup. Ah, je peux pas. Ah là. Let's go! Ils sont où? Il y a un truc à récupérer là. Je me suis laissé avoir par le loot. Merde, ils sont où? Ah, ils sont là-bas. Vite! Aouh! Allez, bois, 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 bois. Allez, bois, 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 bois. Parce qu'il y a l'autre derrière en fait qui m'attaque. Oh non! Ah, ici, il m'a fait! Ah, il m'a chopé! Lâche-moi! Non, c'est pas grave. On va attendre que ça, ça passe. C'est bon. C'est bon, lui, je l'ai eu. Il m'en reste plus qu'un à avoir. Oh la vache. Ah, je fais pas beaucoup beaucoup de dégâts. Mais ça peut suffire. Ah non!
Oh non, 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 je suis dégoûté. Je pensais être assez loin. Allez, bois ton coup. Faut pas être trop gourmand. Allez, on retape. Faut pas être trop gourmand. Oui, c'est chaud, hein. Sous l'eau, on n'a pas la même allonge. Pas être trop gourmand, pas être trop gourmand. On y va. Oulala, oulala. Merde, j'aurais tellement pu y aller là. Comme ça. Aouh. Oh merde. Oh non. Oh le dégoût. Scheiße. Ah, je l'avais presque en plus. Ah, j'ai voulu parer les petits trucs parce qu'ils font mal, mais je savais pas que la lame d'eau te tue en un coup. Merci. Alors du coup, ils ne sont pas là en dessous. Juste regarder, hein. Non, ils sont pas là, ah, ils sont plus par là. Ouais, ils sont plus là. J'imagine que le deuxième revient. En fait, il y en a un, c'est pas vraiment le boss. C'est juste une image rémanente. Enfin, qui fait des dégâts quand même. Le jeu, il va pas être sympa non plus. Là, il faut absolument que j'aille le massacrer direct. Ow ! La vache ! Oh, mais moi je fonce dedans. Allez, vite. C'est bon, je l'ai eu. Du coup, ça me protège de cette attaque là. Allez, 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 allez. Ah, il va faire son pas là, il va essayer de me choper. Je suis trop loin. Allez, je suis à la moitié de sa vie. Oh! Allez, récupère de la vie. Yes. Pas trop gourmand, pas trop gourmand, pas trop gourmand, le galet. Voilà, éloigne-toi de ça. Là, il envoie ses cheveux. Oh, j'ai pris cher, putain. Putain, encore ? Son attaque imparable. Son attaque lancée. Pas trop gourmand, pas trop gourmand. Voilà. Là, je suis bien. On esquive tout ça. On esquive tout ça. Oh non, 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 non. Et merde, j'ai pas vu le bon truc. Oh non, je vais crever. Bah oui. Oh, c'est tout de cheveux là, je trouve ça ignoble. Allez, j'ai peut-être le temps d'aller lui assigner le dernier coup. Yes! Du coup, je vous ai fait voir comment abattre ces. Oh, ces bonhommes. Un esprit sans tête qui s'est imprégné de Yashahariku. Il augmente tempérament la puissance d'attaque en réduisant considérablement les vitalités et la posture max. Ah oui, c'est pour bourriner ça. Je vais te réutiliser. La répétition en dépensant des emblèmes spirituels. Les sans-têtes sont des ombres des héroïques défenseurs du pays qui ne s'étaient pas montrés parfaitement honnêtes dans la vie. Ces héros avaient un jumeau et s'ils avaient été ensemble, ils ne seraient pas tombés devant les nobles du palais.
Et un chapelet peut-être? Non? Non, pas de chapelet. Alors, les poissons. Les petits poissons. Non, bah c'est bon, on les a eus. Pardon. Je sais qu'ici, il me reste une carpe à avoir. Merde. Je crois que j'ai fini dans cette zone. Hop là. On va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Bon, je suis mort une fois quand même. J'avoue tout. J'ai combien de thunes? Oh, 3040. Oh, bah d'accord. Lui, je peux lui acheter des trucs encore. Mais on s'en branle, hein. Ah non, attendez. C'est pas lui qu'il faut que j'achète des trucs. Ah oui, alors, j'ai pas compris. Le mec est parti. Voilà, il avait plus envie, il est mort peut-être. Du coup, je fais son boulot. On va faire ça. Ça m'agace, je sais pas où récupérer. Il manque juste un truc. Je sais pas où récupérer le fulminate de mercure. Je sais pas. Anneau du mécontent. Là, il faut les kunai magiques. Je sais pas. Je sais pas où récupérer ça. Dans le doute, je récupère pas. Allez, continuons. On va aller voir le jeune Kuro. Qui est... Oh non! Ah merde! Seigneur Ishin, que s'est-il passé? Le seigneur Ishin a succombé à sa maladie. Il est mort. Il n'y a pas eu assez de saké. Je suis certaine que tu l'as senti. Les forces centrales ont profité de l'occasion pour attaquer le château. Et l'héritier divin? Tiens. Clé du passage secret? La clé du passage secret qui mène à l'extérieur du château d'Ashina. On peut trouver le passage secret au bout de la douve du canal Ashina, long noir de la tour de la lune. Kuro s'est enfui du château en empruntant ce passage et Lou doit le retrouver. Ah oui! Cette clé, elle... Le seigneur s'est échappé du château en prenant le passage secret. Oui. Le passage secret est dans la douve du réservoir Ashina, non loin de la tour de la lune. Le seigneur Kuro s'est enfui du château en prenant ce passage secret. Et il devrait attendre dans le champ d'herbe argentée. Compris. Les engoulevents ont laissé des signaux de fumée sur les toits. Conformément aux ordres du seigneur Ishin, la fumée devrait montrer le chemin vers le seigneur Kuro. Oui, mais nous on sait où c'est. C'est ça le truc. Ah, sauf qu'on peut peut-être plus voyager. Oui, voilà. Ouais, c'est encore une fois, tout est baisé. Bon. Eh ben, c'est parti. On peut pas ouvrir cette fenêtre. On peut pas utiliser l'encens. Ah, cette porte est fermée. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le bordel. Alors, je pars tuer un dragon. Et après, c'est le bordel, direct.
Ouais. J'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est la guerre en bas! Ils sont tellement en train de se massacrer entre eux. Ah ouais, mais c'est carrément le bordel en fait. Oh bah je les massacre tout ça. Allez hop. Ah oh, les bâtards. Bien vu. Ah oh. Ah c'est une estoc peut-être ça. Tu ne vaux rien face à ma lame. Putain tout ce que je récupère. Qu'est-ce qui se passe? Oh non mais pourquoi il s'est retourné? Ah ouais il a déloqué, c'est vrai. C'est vrai qu'il déloque parce que... Parce que voilà. Ouh. Oh je me fais défoncer. Oh non, 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 non. Ah, c'est la fin. Voilà, la caméra est bien là. Je suis au summum de ce que je peux avoir. Ah, là, tu vas m'aider. Oh d'accord. Ah, il y en avait un autre encore. Ah, j'ai pas vu. Ah, la caméra est bien là. La caméra était vachement bien placée dans le coin. Bon, ma faute, hein, j'aurais dû la tourner. Ah, du coup, il rigole pas du tout. Hein. Mon dieu. Bon, je vais au moins aller jusqu'à la. Jusqu'au point de sauvegarde suivant. Putain, j'ai perdu tout ce que j'avais fait en tuant tout le monde là en bas. Je pourrais hein, les laisser tranquilles et... Toi. Ah merde. Je croyais qu'il allait pouvoir m'aider. J'ai raté. Ah bah lui il va pouvoir m'aider par contre. Massacrer tout le monde. Pokémon, go! Quoi, c'est le bordel! Bon. J'avais dit quoi? Oui, on va jusqu'au point de sauvegarde. Ouais. Ok, donc il m'a demandé d'aller les aider. Alors, en attendant, je vais juste... Ouais, voilà.
fin il va se faire massacrer quand même. J'ai essayé d'aider hein. Mais qui passe à côté. Excusez-moi, pardon. Oh, il l'a défoncé. Allez, et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser sur ce duel, ce magnifique duel. Comme quoi, ils sont pas simples les mecs en rouge. Et l'impression qu'il va même défoncer mon samouraï. Allez, bats-toi. Allez, il nous reste plus qu'à sauver le petit couloir. Et on verra ça dans un prochain épisode. Allez, à mon tour. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bisous bien. Salut. Oh merde. Oh, raté. Allez. Oh. Oh non, je veux pas mourir maintenant.